7e édition du Gala Supply Chain. Merci à toutes et à tous d'être présentes et présents ce soir pour cette 7e édition. Bienvenue à tous et je pense qu'on va passer une très bonne soirée avec le programme qu'on vous a concocté et tout ceci au nom du comité d'organisation du Gala. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Je crois qu'aujourd'hui, notre modèle est en droit de changer. On passe d'un barycentre de stock un barycentre de préparation de commandes. Est-ce qu'il est possible de livrer chaque consommateur dans les mégapoles, chez lui, tous les jours, pour différentes verticales, comme ça a été dit? Vous savez, les entrepôts XXL qui font plus de 120 000 m², s'ils sont à 50 km de Paris, c'est qu'on ne peut pas les installer en centre urbain, oui. C'est qu'ils coûtent 4 fois plus cher s'ils sont en centre urbain. Donc aujourd'hui, ils sont à leur place. Il n'y a pas un modèle Alibaba. Je vois trois grands modèles. Il y a un modèle type place de marché. Il y a un modèle type Amazon où là on va combiner l'achat direct et puis de la place de marché. Et puis il y a les distributeurs qui ont du physique. Et puis après on va mélanger les trois modèles. Alibaba en termes de volume d'affaires fait trois fois la taille d'Amazon. Donc c'est plus de 500 milliards qu'Amazon fait 170. Amazon c'est 560 000 employés, Alibaba c'est 60 000. Donc c'est 10 fois moins d'employés pour 3 fois le volume d'affaires. Notre stratégie c'est vraiment de défendre nos positions sur nos marchés ou de les renforcer. Nous ce qu'on veut c'est vraiment être le champion du service dans nos catégories, dans nos géographies. J'ai le plaisir, l'honneur de remettre ce prix coup de cœur à Benjamin Debutet pour la société DC Brain. Encore une fois merci beaucoup de m'avoir invité. Ce soir, c'est vraiment, vraiment génial et merci de nous confier ce prix. Le nombre de personnes touchées par le Gala Supply Chain s'élève à 26 000 personnes uniques. Donc bravo à tous les community managers qui ont largement contribué à ce grand succès. Bravo à ces associations qui œuvrent toute l'année pour mettre en lumière la Supply Chain.